suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui parce qu'on va recevoir deux monuments de la chanson française. Adieu monsieur, tout est fini. Adieu l'enfant, tu pars aussi. On dit que la ville c'est mieux qu'ici. Tu pourras avoir des voitures. Dans les 1000 chansons, il y en a, je ne sais pas combien il y en a d'enregistrés, combien qui sont restés sur les étagères. Je ne sais pas. De toute façon, quand on aime, on ne compte pas. Puis il y en a peut-être même plus depuis. Parce que ça fait quand même 15 ans qu'ils disent que je suis l'homme aux 1000 chansons. Depuis, j'en ai fait d'autres. Bon, t'as bien bossé, mon gars. Voilà, t'as bien travaillé. Bon, t'as essayé, t'as pas tout réussi, mais en tout cas, t'as tout fait très... très consciencieusement, avec amour, avec passion, en mettant le temps que chaque chanson méritait. Bizarrement, c'est ce qui m'a ouvert les portes de l'Angleterre à l'époque, qui, lorsqu'ils ont découvert que la chanson n'était pas un produit purement anglo-saxon, étaient furieux. Parce que c'était pas si souvent que ça qu'une production en anglais faite ailleurs. On n'était pas encore à l'époque des Western Spaghetti. Donc oui, c'est ce qui m'a ouvert les portes incontestablement. Je voudrais en profiter pour vous dire que le compositeur, Vangelis Papathanasiou, qui s'appelle maintenant Vangelis, son nom était trop compliqué à prononcer, et moi, il y a quelques temps, c'est pour ceux qui ont aimé ou et vu le film Blade Runner, c'est lui qui a fait la musique, Les Chariots de Feu aussi. Voilà, il est parti, et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On sait comme on se quitte, simplement. Je suis content d'avoir écrit cette chanson parce qu'elle touche beaucoup de gens et qu'elle était aussi la préférée de Joe, et d'ailleurs la mienne dans son répertoire. Mais non, très franchement, sur le plan du chagrin que j'éprouvais, de la tristesse qui était la mienne, non, ça n'a rien arrangé. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Ah oui, complètement. Oui, c'était Joe Dassin qui m'avait demandé de faire un texte sur cette musique, donc j'ai écrit sciemment pour lui, mais bon, il était évidemment tout à fait d'accord pour chanter ce texte, n'a posé aucun problème, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure aux gens d'ici qui étaient dans cette salle, bon, Joe Dassin disait toujours, tout le monde croit que je chante mes chagrins d'amour. Non, c'est pas vrai, je chante les chagrins d'amour de Claude Lemaire, voilà. Plus le vent des étoiles, chaque coup plongé dans un bistrot, et dégoûtait les vins. Moi j'étais fort au hâle, et Gégé lavait les carreaux. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain, on partageait tout. Et on n'avait rien, qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Oui, ce sont des ateliers au cours duquel j'écoute beaucoup ce que font toutes les jeunes filles et tous les jeunes gens qui se sont inscrits, et j'essaye de les guider. Bon, il n'y a pas, comme le disait Boris tout à l'heure, il n'y a absolument pas de recette, mais on peut dire à quelqu'un, bon, par exemple, qui a raté la chute de sa chanson ou qui place mal les mots sur la musique. Boris parle beaucoup des accents toniques, par exemple. Bon, il y a des tas de choses qu'on peut dire quand même qui peuvent être utiles. Je veux l'épouser pour un soir, mettre le feu à sa mémoire, l'épuiser d'amour. Là, franchement, dans mon atelier, il y a des gens, des jeunes filles et des jeunes gens, de temps en temps, qui me montrent des textes, qui me les chantent, parce qu'ils chantent aussi.
des textes qui, comme on dit aujourd'hui, qui me scotchent. Hein. Oui, ouais, ça arrive, bien sûr. Bah, oh, c'est ça qui est merveilleux, c'est d'être étonné. À toi. Alors, accompagné par Philippe Herouette, voilà, qui est la grande gentillesse de venir nous accompagner aujourd'hui. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai contrat de confiance, l'encéphale au qu'il faut, et j'ai du bol. J'en vois un qui rigole. Wow, wow, Camille. Lui s'attendait plus que moi à un succès de la chanson. Moi, quand on nous a appris qu'on en avait vendu 100 000, au bout d'un an, hein, j'étais content parce que ça allait nous donner l'opportunité de continuer. Ce qui était important, c'était de continuer. C'était pas de faire un succès. On se reverra, un café des ailes. Sans les cafés, les gars, comment faire pour se retrouver demain? On s'endormira, puisque tout sera